Sabadi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition en français de la Tenden. Nous sommes mardi le 5 janvier 2016. Commençons tout de suite par visite à la province de Xinhuang du vice-premier ministre. Messieurs Somsavat, Lingsavat et sa suite se sont déplacés la semaine dernière dans la province de Xinhuang, accompagnés par le gouverneur de cette province, Monsieur Somkot Mangnomek. Le vice-premier ministre a visité les fermes d'élevage de bovins de la Société de développement de l'agriculture Lao Japonais. Au cours de l'entretien, il a entendu le rapport sur le développement de ce projet présenté par les experts. Le projet d'élevage de bovins dans la province de Xinhuang a débuté depuis 2 ans. En fin de 2015, cette société a commandé de l'Australie environ 1000 vaches afin de produire des viandes et des bovins pour répondre au marché intérieur et extérieur. Le même jour, le vice-premier ministre a visité le projet de construction de la pagode Wat Hai Hin Misanyalam dans la plaine des Jars ou Tong Hai Hin 1. Ce projet vise à sauvegarder de la religion bouddhique en parallèle avec la promotion du tourisme du Laos. Lancement de la construction du chemin de fer Laos-Chinois. La construction du chemin de fer reliant le Laos à la Chine a débuté au mois de décembre dernier. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu dans la capitale le 2 décembre 2015. Le projet de construction du chemin d'une distance de 416 km pourrait prendre environ 5 ans pour terminer. Le coût de construction s'élève à 40 milliards de yuan, soit 6,5 milliards de dollars, dans lequel le gouvernement Lao détient 30% des parts. Monsieur Lattanamani Kunivong, vice-ministre des Travaux publics et des Transports, a déclaré que c'est un des projets les plus importants pour la coopération entre le Laos et la Chine. Le gouvernement de ces deux pays ont signé un mémorandum de coopération le 13 mai 2012 à Pékin après l'étude de faisabilité. Le chemin de fer Laos-Chinois est un projet qui permettra de relier la capitale Lao de Vientiane avec la frontière chinoise, près de Luangnantha, à une distance de 417 km. Il va passer à travers Longhabang et à travers des chaînes de montagnes. La principale utilisation de la ligne de chemin de fer sera de transporter des marchandises à partir de la Chine à travers le Laos et de se connecter avec une ligne de chemin de fer mis à niveau vers les ports de la côte est de la Thaïlande sur le golfe de la Thaïlande. L'économie de la province de Khammouane dépend du développement progressif de son industrie, de son agriculture et de son tourisme. Son économie affiche une croissance de 12% par an. L'économie de la province de Khammouane dépend du développement progressif de son industrie, de son agriculture et de son tourisme. Son économie affiche une croissance de 12% par an. La province compte 6000 hectares de rizières pour la culture du riz pluvial et 18000 hectares pour la culture du riz irrigué et des légumes. Les agriculteurs de la province produisent près de 300 000 tonnes de riz et plus de 50 000 tonnes de légumes par an. Les cultures sont irriguées par 220 réseaux d'irrigation. La province compte aussi 3 réserves forestières protégées. Outre, 14 000 entreprises et plus de 600 usines en activité pour le traitement de produits minières et agricoles, il faut mentionner les barrages d'hydroélectriques Namtun 2 et Namtun Hinbun. La province compte aussi une grande cimenterie produisant 800 000 tonnes de ciment par an et 4 autres cimenteries y sont actuellement en construction. La province de Khammouane compte 146 sites touristiques, 119 sites naturels, dont les célèbres grottes de Kong Lo, 25 sites culturels et 2 sites historiques. Pour promouvoir le tourisme, les autorités ont amélioré et développé les infrastructures, notamment les voies d'accès aux sites touristiques, ainsi que la qualité des services dans les hôtels et les restaurants et dans les établissements qui proposent des services aux touristes.
Le Japon aide à développer le transport public à Vientiane. Récemment, le gouvernement du Japon a accepté de fournir une assistance technique à travers l'Agence japonaise de coopération internationale pour améliorer la capacité de l'entreprise d'État de transport en commun. La coopération met en évidence la capacité supplémentaire de l'entreprise est essentielle. Le projet fournira trois éléments clés, notamment l'amélioration de la capacité de gestion, la mise en œuvre des services à Vientiane en réponse aux besoins des citoyens et plan pour élargir le parc d'autobus public. La congestion du trafic à Vientiane est en augmentation en raison de la croissance de la population et d'un plus grand nombre de véhicules personnels sur les routes, tandis que l'utilisation des transports publics reste faible. Le projet contribuera à l'expansion des services d'autobus de Vientiane afin de faire face aux problèmes émergents en milieu urbain. En avril de cette année, le gouvernement japonais a convenu d'accorder une aide à la capitale pour l'achat de 42 autobus. Depuis 1988, le Japon a appuyé l'amélioration des transports publics au Laos. En l'an 2000, le gouvernement japonais avait fourni 56 bus. Le pavillon de Sino Café, le cœur de Sisenok Sisombat, propose des formations et fournit des informations sur la culture de café dans le monde entier. Son objectif principal est d'exposer l'art de la préparation du café afin de préserver l'excellence du produit au moment de la préparation et de la consommation à la maison ou loin de chez soi. Le pavillon café a une signification extrêmement importante, revêt un caractère qui est à la fois exceptionnel pour moi, pour mes affaires, et aussi une contribution importante à la promotion du café Lao. Le pavillon café, c'est à la fois un centre d'information et un centre de formation. Donc, j'espère informer les gens, les clients, les visiteurs qui viendraient ici sur le maximum de données qu'on peut avoir sur le café, des données quant à l'histoire du café, des données quant à la production du café, des données quant à au processing du café, comment on fabrique le café boisson, de la graine jusqu'à la tasse. Voilà. Et c'est une contribution tellement énorme que ce bâtiment, le Café Pavillon, est unique en son genre, puisque sous un même toit, il y a à la fois une galerie d'information et des salles de formation, à la fois pour la torréfaction, pour la dégustation de tasses, pour apprendre à faire des tasses dans les coffee shops que notre société ouvre ou que des personnes intéressées à la franchise sous le nom Café Sino viendraient à ouvrir. C'est un centre de formation. C'est en quelque sorte un achèvement, mais un achèvement qui continue. C'est une première pierre importante d'un bâtiment qui sera beaucoup plus important et le développement sera tout à fait évolutif. Pourquoi? Parce que derrière mon nom, Sinouk, il y a quand même une renommée et cette renommée, une renommée de qualité basée sur un fondement de qualité. La qualité, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. La qualité, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on pratique, et il faut le montrer. Ce n'est pas des mots vides. Ici, on montre comment on pratique la qualité. C'est un instrument de marketing énorme pour notre marque. Et en dehors de cela, c'est tellement unique que ça mérite d'être visité. Ça mérite d'être visité pour les amoureux du café, qui sont contents d'avoir trouvé une maison
du café qui, sous un même toit, réunit le tout, à la fois les éléments d'information, les éléments d'instruction. La formation, c'est pas partout qu'on peut trouver. Il y a de plus en plus de cafés qui ouvrent dans le pays. Quand on dit qu'il y a de plus en plus d'hôtels, il y a du besoin de personnel hôtelier pour s'occuper de la gestion des hôtels. Et pourquoi pas du personnel des cafés, puisqu'ils en ouvrent de plus en plus. Eh bien là, c'est le centre de formation. C'est énorme, unique, et il n'y en a pas deux. Ni dans ce pays, ni dans tout l'Asianda. Voilà. Quand on parle de Asian Economic Community, et ici, eh bien, en matière café, le Laos est à la pointe. Je peux vous dire qu'un pareil bâtiment n'existe dans aucun des 9 autres pays de l'ASEAN. Le Laos sera le premier à avoir un café. Alors, le café, c'est une chaîne. Hein. C'est une chaîne de valeur qui commence de la production de café vert, qui devient la matière première, pour être du café torréfié, qui devient la matière première pour être utilisé pour faire des tasses dans les cafés, les hôtels, les restaurants. Alors, la formation de la production en matière agronomique, ça se passe dans le sud. Ça se passe sur les champs. Ça se passe sur le plateau des Bolovens. Le centre de formation de café, le centre de recherche sur le café, kilomètre 35, ministère de l'Agriculture, c'est à Parcé. Ici, Vientiane, on est sur le marché de la consommation. On n'est pas sur le marché de la production. La production, c'est à Parcé, c'est les Bolovens. La consommation, c'est Vientiane et dans tout le pays. Et donc, ce café pavillon met en exergue les métiers qui touchent à la consommation. C'est-à-dire comment on torréfie le café pour qu'il soit bon. L'arôme est agréable, le goût est apprécié, la torréfaction, créer la tasse dans les coffee shops. Là. On est sur ce secteur-là, ce segment de toute la chaîne. La production, c'est à Parcé dans le sud, sur les Bolovens, la consommation, c'est ici, et ici, on est plus sur la consommation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toutes les équipes vous remercient pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.